Il est évident que sous le capitalisme, l'argent joue un rôle central. Ça ne vous a pas échappé. Dans ce système, la satisfaction de nos besoins, de tous nos besoins, est subordonnée directement ou indirectement au fait d'avoir de l'argent. Ceci donne à l'argent un caractère magique dans la tête de beaucoup des gens en général, parce que le caractère d'une force qui domine l'existence des individus, domine la vie des hommes et des femmes, sans qu'ils comprennent bien la nature de ce phénomène. Ce qui renforce précisément le caractère magique, mystique de l'argent dans la conscience des masses, c'est l'énigme intellectuelle qu'il pose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui explique ces oscillations? D'où ça vient? Etc. Et c'est une énigme intellectuelle non seulement pour la masse de la population, mais c'est aussi, et c'est toujours une énigme pour les économistes bourgeois, qui ne comprennent pas ce qu'est l'argent, qui ont du mal à l'expliquer, ou qui disent beaucoup de bêtises à ce sujet, parce que comprendre le rôle de l'argent, sous le capitalisme notamment, suppose de comprendre l'ensemble du système capitaliste lui-même. Et comme on l'explique souvent, aujourd'hui, à la différence des économistes bourgeois comme Smith, Ricardo, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qui essayait de comprendre le capitalisme d'un point de vue scientifique, les économistes bourgeois d'aujourd'hui, leur tâche centrale n'est pas tellement d'expliquer les lois fondamentales du système capitaliste, mais plutôt de justifier ce système aux yeux des masses, et des masses exploitées en particulier, et tout au mieux de conseiller telle ou telle politique économique, ou telle politique fiscale ou monétaire au gouvernement bourgeois. A l'inverse, Marx, le premier, a percé le mystère de l'argent et l'a débarrassé de son enveloppe mystique grâce à l'application d'une méthode matérialiste et dialectique. Ce faisant, Marx a aussi permis d'anticiper pourquoi et comment l'argent va disparaître après le renversement du capitalisme, non pas d'un seul coup, comme le souhaiteraient les anarchistes par exemple, mais graduellement. Et je reviendrai à la fin de mon exposé, parce que c'est une question importante aujourd'hui et qui est discutée dans la jeunesse qui s'intéresse aux idées du communisme, on s'en rend compte dans nos cercles marxistes. Mais d'abord quelques mots sur l'origine de l'argent d'un point de vue historique. L'argent, comme la propriété privée, l'État, l'exploitation de classe, n'a pas toujours existé. Historiquement, l'apparition de l'argent est étroitement liée au développement de la production marchande, qui elle-même n'a pas toujours existé. Marx disait, pour comprendre l'énigme de l'argent, il faut d'abord comprendre l'énigme de la production marchande. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus fondamentale sur cette question. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'argent, son rôle, sa nature, si vous ne comprenez pas ce qu'est la production marchande, parce que ce sont deux phénomènes étroitement liés. C'est de la production marchande, c'est-à-dire la production de biens qui ne sont pas produits pour être directement consommés, comme le paysan qui va produire tel ou tel produit, légumes, ce que vous voulez, du blé pour en faire son pain, nourrir sa famille, etc. Mais des biens qui sont produits pour être échangés contre d'autres biens, qui du coup sont eux-mêmes des marchandises. Voilà ce qu'est une marchandise. Un produit en vue d'un échange. Donc, pour comprendre le rôle de l'argent, je disais, il faut d'abord comprendre le développement et les caractéristiques de la production marchande. Après quoi, une fois qu'on a compris ça, les différentes formes de l'argent, les pièces, la monnaie, enfin les billets, l'argent qui aujourd'hui existe essentiellement sous la forme de lignes de code sur des disques durs ou des lignes sur un écran d'ordinateur ou les crypto-monnaies, etc., ça ne pose plus aucun problème théorique. Ça, ce sont les différentes formes que prend l'argent. Mais ça, c'est pas très mystérieux. Et Marx, d'ailleurs, il consacre assez peu de temps puisque c'est pas très mystérieux sur cette question-là. La question, c'est le rôle social et le rôle historique, le rôle économique et la substance de l'argent. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Je disais donc que la production marchande et donc l'argent n'ont pas toujours existé. Il y a eu la période que vous savez, la plupart d'entre vous, qu'on appelait le communisme primitif. Plus de 10 000 ans de ça, et qui est une période qui s'étale sur des très longues périodes, très longues phases de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il n'y avait ni propriété privée des moyens de production, ni État, ni exploitation de classe, ni oppression des femmes, cette période se caractérisait par l'absence de production marchande et donc par l'absence d'un système monétaire. Au sein de la tribu, pour le dire vite, il y avait une division du travail très rudimentaire, chasseurs, cueilleurs, la division sexuelle du travail, etc. Mais la terre, les outils de production étaient des outils très rudimentaires de production. On parle de communisme primitif, hein, ce n'était pas l'abondance, c'était une politique de pénurie, c'était une économie de pénurie, c'était une économie qui reposait sur un très faible niveau de technique, de science, ce n'était pas le paradis sur terre, le communisme primitif. Mais les moyens de production qui existaient étaient collectifs, et les produits du travail au sein des communautés primitives étaient partagés, suivant différentes modalités, mais étaient partagés, non pas échangés entre les membres de la communauté, mais partagés, distribués et partagés entre les différents membres de la communauté. Ce qui marque la dissolution du communisme primitif, ce fut précisément l'émergence de la propriété privée et le développement de la production marchande. Il s'agit d'un processus complexe qui s'est développé sur une longue période. Mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, peut-être des camarades interviendront là-dessus, sur les différentes étapes de la dissolution du communisme primitif et de la façon dont l'argent a émergé. Mais Marx expliquait, ça c'est une idée importante, que la production marchande s'est développée d'abord non pas à l'intérieur des communautés primitives, mais aux marges de celles-ci, dans l'échange d'excédents entre les différentes tribus. Schématiquement, une tribu arrivait à dégager tel excédent, elle allait l'échanger contre tel autre excédent d'une autre tribu. Sauf que, comme Engels le faisait remarquer, dans l'origine de la famille et de la propriété privée de l'État notamment, dès lors que s'engage la production marchande entre tribus, elle se répercute fatalement à l'intérieur des tribus elles-mêmes. Engels écrivait que les rapports marchands ont pénétré à l'intérieur des communautés, je cite, comme un acide corrosif dissolvant tous les vieux liens communautaires. Donc vous avez une répercussion à l'intérieur des communautés primitives, du communisme primitif, si vous voulez, en voie de dissolution, par le biais des échanges marchands entre communautés. Et le développement de la production marchande a accentué la différenciation sociale à l'intérieur de ces communautés, entre riches et pauvres, et donc la cristallisation à un certain stade d'une classe d'exploiteurs et d'une classe d'exploités, en l'occurrence d'une classe d'esclaves. Un changement qualitatif important dans ce processus, ce fut le passage, la transition entre les échanges entre tribus, qui étaient des échanges de biens collectifs. La tribu dégage un excédent, cet excédent est propriété collective de la tribu, et l'échange contre un autre excédent. Le passage de ça à l'échange de biens privés entre tribus, c'est-à-dire c'est tel membre de la tribu qui va échanger à titre individuel son bien contre un autre bien à l'extérieur. Ça suppose déjà le développement embryonnaire de la propriété privée, et en retour, bien sûr, ça accentue et ça accélère le développement de la propriété privée. Avec ça sont venus fatalement le crédit, les dettes, et qui sont des puissances stimulant à l'accélération, à l'accumulation de richesses et de la polarisation entre riches et pauvres. Et vous me direz de l'argent dans tout ça. Eh bien, à un certain stade, j'ai vraiment fait quelque chose de très schématique, mais globalement, c'est comme ça que ça s'est passé, à grands traits. À un certain stade, le développement de l'échange, donc de la production marchande, a fait naître le besoin d'une marchandise spéciale dans laquelle toutes les autres marchandises peuvent mesurer leur propre valeur. D'une marchandise qui joue le rôle d'équivalent universel selon la formule de Marx, et qui, du même coup, non seulement sert d'étalon qui permet de mesurer, dans laquelle peuvent se refléter la valeur relative des différentes marchandises, mais qui permet également la circulation de ces marchandises. Par l'intermédiaire de l'argent, vous pouvez acheter toute marchandise. Cette marchandise universelle, c'est donc l'argent, la monnaie. Non pas la monnaie, non pas d'abord historiquement la monnaie sous les formes diverses qu'on connaît aujourd'hui, et en particulier pas à l'époque, c'est sous la forme de lignes de code dans un ordinateur, évidemment. Mais d'abord sous les formes enracinées dans les conditions matérielles concrètes d'existence des sociétés concernées. Par exemple, c'est connu, on l'apprend tous, un jour ou l'autre à l'école, le bétail a joué le rôle de monnaie, notamment dans les tribus pastorales. Pourquoi? Parce que cette marchandise particulière était fondamentale et abondante. Donc, vous aviez le bétail a joué le rôle d'équivalent universel, si vous voulez, relativement universel à l'époque. Mais d'autres marchandises ont joué ce rôle selon les conditions matérielles d'existence de ces géographiques, économiques des différentes communautés en question, sociétés en question, telles céréales, des outils, par exemple, des outils très, très utilisés dans l'agriculture, etc., qui pouvaient jouer de rôle de monnaie. Cependant, ce type de monnaie avaient des limites évidentes liées à leurs caractéristiques physiques. Et avec le développement du commerce, notamment dans la Grèce antique, le besoin a émergé d'une marchandise monnaie, donc d'une marchandise jouant le rôle de monnaie, qui puisse être transportée sur de longues distances. Si vous voulez faire du commerce à X centaines de kilomètres, transporter des bœufs ou je ne sais quoi, c'est quand même pas l'idéal, pour dire ça schématiquement. En tout cas, il fallait une monnaie qui puisse se transporter sur une longue distance, et d'où l'apparition de la monnaie métallique, c'est-à-dire de pièces de monnaie en métaux précieux, tels que l'or ou précisément l'argent. Les avantages de cette forme de monnaie sont évidents. Premièrement, l'uniformité. Encore une fois, très schématiquement, une vache, on va en discuter l'âge, la forme relative, est-ce qu'elle est bien cette vache? Une vache n'est pas égale à n'importe quelle autre vache. 100 grammes d'or, en revanche, c'est 100 grammes d'or. On sait bien en dialecticien que 100 grammes d'or n'est jamais égal à 100 grammes d'or, mais on peut en faire abstraction dans la pratique. C'est stable, c'est uniforme. Deuxièmement, les métaux précieux sont divisibles, facilement divisibles. Aller diviser une vache, ça complique l'opération. 100 grammes d'or se divise en 2 fois 50 grammes d'or, 4 fois 25 grammes d'or. Vous pouvez combiner les différents métaux précieux, de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Bref, il y a une divisibilité, la possibilité d'additionner, de combiner les différents métaux précieux qui permet à cette forme de monnaie de représenter toutes les valeurs possibles, du moins jusqu'à de toutes petites valeurs. Et de très grande valeur. Troisièmement, les métaux ne s'usent que très lentement, ce qui permet donc, à travers eux, de stocker la richesse, de stocker la valeur sur une longue durée. Enfin et surtout, les métaux précieux concentrent une très grande quantité de valeur dans une petite quantité physique, ce qui permet d'échanger de petites quantités de monnaie, d'un point de vue de leur structure physique, contre de grandes quantités de richesses. Et ça, c'était devenu indispensable, bien sûr, au fur et à mesure que le volume des transactions augmentait. Vous avez besoin de beaucoup de monnaie. C'est quand même, l'or, c'est pratique, ça concentre beaucoup de valeur dans peu d'espace. Donc, l'argent permet, je l'ai dit, de représenter et de quantifier la valeur des marchandises. Mais dès lors, pour aller plus loin dans l'analyse de l'argent, on doit aller plus loin dans l'analyse de la valeur d'échange des marchandises. Pour ce faire, Marx commence par distinguer la valeur d'échange d'une marchandise de sa valeur d'usage, c'est-à-dire la valeur d'usage de sa fonction, de son utilité, au sens le plus large du terme, hein. Fût-ce un usage très symbolique, très subjectif, comme certains bijoux ou des œuvres d'art, ou parfois, voilà, c'est pas évident la valeur d'usage. On ne peut pas avoir, donc il distingue valeur d'usage et valeur d'échange. Cependant, Marx dit, si un bien n'a pas de valeur d'usage, il ne peut pas avoir non plus de valeur d'échange. Parce que qui va vouloir échanger une marchandise contre une marchandise qui n'a aucune utilité? Non, il lui faut quelque valeur d'usage que ce soit pour qu'elle puisse être une valeur d'échange. Par contre, la valeur d'échange d'une marchandise n'est pas déterminée par sa valeur d'usage. L'exemple le plus évident, c'est que par exemple l'eau, c'est une valeur d'usage, elle contient une valeur d'usage parfaitement évidente, vous ne tenez pas longtemps sans eau. Le diamant, un gros diamant, par contre, on peut très bien vivre, et la plupart d'entre nous, sinon tout le monde ici, passera sa vie entière sans posséder un gros diamant, sinon il faut le dire au trésorier de l'organisation au plus vite. Et la valeur d'échange que concentre le diamant comparé à l'eau est colossale, beaucoup plus importante. Donc il n'y a pas de corrélation entre l'utilité et la valeur d'échange. Ce n'est pas la valeur d'échange des marchandises qui permet de déterminer la valeur d'échange, c'est-à-dire les rapports quantitatifs suivant lesquels les marchandises s'échangent les unes contre les autres. Par exemple, une voiture de telle marque vaut, c'est-à-dire s'échange à la même valeur que 3 motos de telle marque. Ou 10 boîtes d'allumettes valent, s'échangent contre un briquet. Vous pouvez multiplier les exemples à l'infini. Ce qui détermine les rapports quantitatifs entre les marchandises, c'est le fait qu'elles sont toutes, sans exception, le produit du travail humain. Voilà la conclusion à laquelle, non pas Marx était arrivé, avant lui Smith et Ricardo, mais Marx lui a donné un contenu beaucoup plus scientifique. Il a poussé l'analyse de cette réalité beaucoup plus loin. À noter qu'aujourd'hui, les économistes bourgeois ont abandonné cette théorie. La valeur est déterminée par l'offre et la demande, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui les amène à toutes sortes d'apories pour le reste, hein, mais ça leur va, c'est pas grave. Donc, la quantité de travail humain, c'est-à-dire le temps de travail humain incorporé dans une marchandise, est ce qui détermine la valeur de ces marchandises. Quant au prix de la marchandise, que là aussi les économistes bourgeois ne distinguent plus de la valeur, Marx en distingue, il dit le prix, c'est l'expression monétaire de la valeur d'une marchandise sur le marché, et le prix n'est pas identique à la valeur, le prix oscille autour de la valeur réelle, et cette oscillation répond aux pressions du marché, de l'offre et de la demande. Quand la demande augmente et que l'offre n'augmente pas, vous savez que la marchandise, son prix va augmenter. Est-ce que sa valeur a augmenté? Non, sa valeur n'a pas augmenté. Le temps de travail socialement nécessaire à sa production peut être resté absolument le même. Mais la demande augmente, son prix augmente. Donc, oscillation du prix autour de la valeur. Autour de sa valeur réelle, et Marx dit même va tendre vers sa valeur réelle. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Mais je dois préciser ceci, même si j'ai déjà lâché le morceau, ce n'est pas juste le temps de travail, c'est le temps de travail socialement nécessaire qui détermine la valeur d'une marchandise. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le travail individuel du travailleur individuel qui va produire telle marchandise. C'est le travail abstrait, dit Marx. Le travail moyen, le travail socialement nécessaire, compte tenu du niveau de productivité atteint par la société. De sorte qu'un travailleur plus lent ne va pas créer davantage de valeur parce qu'il va mettre plus de temps. c'est le temps de travail moyen qu'il faut, compte tenu de la productivité, du développement de la technologie, de la science, etc., pour produire telle marchandise. C'est ça, le temps de travail socialement nécessaire. Là aussi, historiquement, cette réalité objective du travail abstrait dans la production marchande, elle ne s'est que graduellement imposée. Ça ne vient pas du jour au lendemain, cette histoire de travail abstrait. C'est le produit du développement de la production marchande, et en particulier sous le capitalisme. Il faut un développement massif de la production marchande, sa domination de l'ensemble des rapports de production, une socialisation massive de la production et de la production marchande, c'est-à-dire ce qui n'advient que sous le capitalisme. C'est le capitalisme qui généralise la production marchande. Il faut ça pour que le travail abstrait s'impose totalement au détriment des travaux individuels de chacun. Je vais essayer d'être plus concret, parce que là, j'ai conscience que c'est un peu abstrait, mais je vais donner un exemple concret que vous connaissez, j'espère, tous, normalement, sinon il faut vite que vous connaissiez. À travers ce que Marx analyse dans Le Capital sur la succession des trois phases de la division et du travail dans la production capitaliste. La coopération d'abord, puis la manufacture, qui est une accentuation de la division du travail, puis enfin de la grande industrie. Eh bien, dans la grande industrie, le travail de l'ouvrier individuel est réduit à une tâche simple dont le rythme ne dépend pas de l'ouvrier, mais est dicté par la machine. Et l'exemple que vous connaissez tous, je suppose, c'est la célèbre scène du temps moderne de Charlie Chaplin, où il y a un tapis roulant. Et vous vous souvenez, le tapis accélère et Charlie Chaplin, il n'arrive pas à suivre le rythme. Ce que Chaplin exprime brillamment dans cette scène comique, c'est que c'est la machine qui dicte le temps de travail nécessaire à... Là, il s'agit d'écrous, peu importe, c'est symbolique. Ça n'est plus l'ouvrier, c'est la machine. Donc, vous voyez que le travail est totalement abstrait au sens où il ne dépend plus du tout, absolument pas, des capacités subjectives, productives du travailleur individuel. C'est la machine qui dicte. Abstraction totale du temps de travail, dans ce cas, à travers la division du travail développée par le capitalisme lui-même. Quel rôle joue l'argent dans ce processus? Eh bien, il est l'aboutissement de la généralisation de la loi de la valeur et de la production marchande, puisqu'il fournit un équivalent universel à l'ensemble des marchandises considérées sous l'angle de la quantité de travail abstrait. Si vous voulez, l'abstraction de l'argent, sous le capitalisme, elle répond à l'abstraction du travail social et à l'universalité de la production marchande. Je vais être plus concret. La valeur de l'argent, comme valeur de chaque marchandise, n'est pas une chose, mais un rapport social. Ça, c'est pas à première vue, ça saute pas aux yeux, et dans la tête des gens, c'est pas évident. Une marchandise et le prix d'une marchandise, comme l'argent, ce sont des rapports sociaux, ce ne sont pas des choses. Et les crises inflationnistes, par exemple, justement, qu'est-ce qui se passe avec une crise inflationniste? C'est que ça change ce rapport social, parce que c'est une sorte de redistribution de la part de chacun dans la production sociale. Et Marx explique que, vous avez entendu parler de cette histoire de fétichisme de la marchandise. Les marxiens en font des tonnes là-dessus, ça c'est assez simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rapport social, qui est un rapport entre des hommes et des femmes, apparaît comme un rapport entre des choses. Il semblerait que ce soit un rapport entre des choses, ma marchandise contre ta marchandise, de l'argent, etc. Alors qu'en réalité, c'est un rapport social, c'est-à-dire un rapport entre des forces de travail à l'œuvre. Ce que chacun possède sur son compte en banque, ce ne sont pas des choses. C'est le droit de réclamer une fraction donnée de travail social. Si vous avez 1 000 euros sur votre compte en banque, ces 1 000 euros signifient « je peux consommer une fraction du travail incorporé dans les marchandises, à l'échelle sociale ». Et comme vous le savez, sous le capitalisme, ce ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent qui ont le plus contribué à la production sociale par leur travail. Les plus riches, les capitalistes, ne travaillent pas au sens où ils ne créent pas de valeur, ils s'approprient la valeur créée par la classe ouvrière. Pour comprendre cette appropriation, Marx développe l'analyse suivante. L'argent permet de séparer en deux opérations l'échange entre deux marchandises. Dans le troc, on va échanger par exemple un livre contre un paquet de biscuits. Je te donne un livre, tu me donnes un paquet de biscuits. Il y a un seul acte. Je me procure le paquet de biscuits au moment même et dans l'acte même de céder le livre. Un seul acte dans cet échange. L'argent brise cette unité et divise l'acte en deux. Il décompose en deux mouvements cet acte. D'abord, je vends mon livre. Donc je vends mon livre, j'ai de l'argent à la place du livre. Et avec cet argent, je vais acheter un paquet de biscuits, mais si j'ai changé d'avis, et c'est ça la fonction de l'argent, je vais acheter toute autre chose. On voit bien comment l'argent facilite la circulation des marchandises, puisque quand vous avez de l'argent, vous pouvez littéralement, avec, acheter ce que vous voulez, dans les limites qu'on sait quantitatives. Vous pouvez acheter, en théorie, sur le papier, vous pouvez vous tourner vers toutes les marchandises, si vous avez assez d'argent. Donc, décomposition en deux de l'échange. Vente et achat-vente. Ça donne lieu, chez Marx, à une analyse où il y a des formules. Et c'est important de les comprendre parce que ça peut sembler abstrait, mais je crois que vous verrez que c'est concret. La décomposition de l'échange que je viens de décrire, ça donne quelle formule? La formule célèbre M, grand A, grand M. Je dirais MAM. Ça veut dire quoi? MAM. Marchandise, argent, marchandise. J'ai une marchandise, je la vends, donc j'ai de l'argent. MA. Avec cet argent, j'achète une autre marchandise. AM. MAM. Historiquement, c'est bien ce qui se passe au départ. Ça, c'est la forme d'échange qui émerge. Et quand l'argent émerge historiquement, c'est sous cette forme-là. Les marchandises, on procure de l'argent, et avec cet argent, on va acheter d'autres marchandises. Mais, au bout d'un moment, au lieu de MAM, où Marx fait remarquer, MAM, ça veut dire qu'il y a, si on inverse, il y a un AM, il y a quelqu'un qui a de l'argent et qui achète une marchandise. Donc là, potentiellement, on a quoi? On a le marchand qui émerge, la classe du marchand, où vous avez une inversion de la formule. Au lieu d'avoir MAM, vous avez AMA. Qu'est-ce que c'est? Argent, marchandise, argent. Qu'est-ce que c'est que cette formule? C'est tout simplement, j'ai de l'argent. Avec cet argent, je vais acheter une marchandise dans l'intention de la revendre. Mais alors là, Marx dit, du coup, c'est pas juste A, c'est A'. C'est-à-dire que si le type, il achète une marchandise en vue de la revendre, c'est pas pour le plaisir de se retrouver avec la même somme d'argent qu'initialement. C'est pour se retrouver avec une somme d'argent supplémentaire. Donc c'est pas AMA, c'est AMA', au sens où A' est supérieur à A. C'est clair? D'où vient cette augmentation? D'où vient que le A' est supérieur à A? D'où vient le profit que réalisent les marchands, la classe des marchands? Marx explique qu'elle ne vient pas d'une création de valeur supplémentaire par le marchand. Le marchand s'approprie une partie du profit qui a été créé ailleurs. Ailleurs, où ça? Dans la production. Donc, si on veut comprendre d'où vient le profit et le rôle de l'argent dans la réalisation du profit, il faut se tourner, non, il faut délaisser la sphère de la circulation à proprement marchande et aller dans l'antre du capital, comme dit Marx, c'est-à-dire dans la production, dans la sphère de la production. Dans la sphère de la production, on a là aussi la formule AMA'. Mais elle est un peu plus compliquée que dans le cas du marchand. Imaginons un capitaliste qui veut ouvrir une usine d'automobile. Il faut que d'emblée, il dispose d'une quantité d'argent A. Sinon, pas s'en sortir. Ce n'est pas lui qui va monter l'usine de ses propres mains, etc. Et fabriquer lui-même ses voitures. Il doit acheter quoi avec cet argent A? Il doit acheter l'usine, ou la faire construire, les matières premières, l'électricité, etc. Donc, tous les éléments matériels. Les machines, évidemment, pour produire des voitures. Mais sans travailleurs, l'usine ne va pas sortir une seule voiture. Donc, il doit aussi acheter la force de travail, qui est aussi une marchandise. La force de travail des travailleurs. Quel est le prix de cette force de travail? Eh bien, comme de toute marchandise, le prix de cette force de travail est égal à la quantité de travail socialement nécessaire à sa production, c'est-à-dire, dans le cas de la force de travail, la quantité de travail socialement nécessaire à la production de toutes les marchandises dont un travailleur a besoin pour vivre. Nourriture, logement, vêtements, etc. Et pour assurer aussi une descendance, le cas échéant. Sur le marché du travail, ce prix est payé par le capitaliste sous la forme du salaire. Donc là, une fois qu'il a acheté ça, l'usine, les matières premières, les machines, etc., la force de travail, il a acheté je ne sais combien de centaines de forces de travail, notre capitaliste est prêt à lancer la production. Il la lance. Admettons qu'à la fin de la première journée de fonctionnement de cette usine, les travailleurs ont produit collectivement 100 voitures. Quelle valeur est cristallisée dans ces 100 voitures? Il faut la décomposer. D'une part, il y a la valeur qui a été simplement transférée des matières premières, de l'usure des machines dans les voitures. C'est-à-dire que, par exemple, les machines vont transférer leur valeur au prorata de leur usure. D'accord ? Donc, sur une journée, ce sera une toute petite valeur, à condition que les machines soient solides et durent plusieurs années. Mais ce sera quand même une valeur. Et comme les machines sont chères, ce n'est pas négligeable. La matière première, par contre, si elle est intégralement consommée, là, celle qui a été achetée, elle va transférer la totalité de sa valeur dans les voitures. Mais là, il n'y a pas de création de valeur. C'est pour ça qu'on parle de capital constant. Il n'y a pas de création de valeur. Il y a simple transfert de travail mort, disait Marx, dans le produit final. Mais d'une part, il y a une nouvelle valeur qui a été créée, c'est pour ça que là on parle de capital variable, une valeur qui a été créée par le travail collectif des travailleurs et qui est incorporée dans les 100 voitures, à la fin de la journée de travail. Eh bien, le secret du profit capitaliste, c'est si la nouvelle valeur qui a été incorporé dans le produit fini, dans les 100 voitures, par le travail collectif des travailleurs. Si cette nouvelle valeur est supérieure à la valeur des salaires qui sont donnés aux travailleurs, la différence entre les deux, c'est le profit. C'est ça la source du profit, c'est le travail impayé de la classe ouvrière qui s'est cristallisé dans les 100 voitures. Donc, à la fin de cette journée de travail, nous avons 100 voitures qui contiennent potentiellement une plus-value, un profit. Mais le potentiellement, il est important ici. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va en faire des 100 voitures, le capitaliste, s'il ne les vend pas? Il va à la faillite. Il ne va pas échanger ses voitures contre je ne sais quoi. Il doit, pour réaliser cette plus-value, il doit transformer les voitures en argent pour boucler le AMA'. Pour que le A' émerge, il faut que les voitures qui ont été produites trouvent preneur sur le marché au prix qui permet de réaliser la plus-value. Et ça, c'est nécessaire s'il veut recommencer le cycle du capital. Parce que tant qu'il n'a pas récupéré la valeur avec le profit, des 100 voitures avec le profit, il ne va pas pouvoir réinvestir une fraction de la plus-value. Il y a la fraction de la plus-value que le capitaliste consomme pour son yacht, ses cigares et tout ça, elle existe, mais une bonne fraction de la plus-value, elle est réinvestie, ou en théorie, elle est réinvestie. Quand il y a une crise de surproduction, il les envoie dans les paradis fiscaux ou dans je ne sais pas quoi, mais en théorie, ils sont supposés réinvestir le profit. Si les voitures lui restent sur les bras, ce n'est pas possible. Donc, tant que la plus-value est cristallisée dans une marchandise, et une valeur d'usage comme ça, le profit n'est là que potentiellement. Si j'évoque tout ça, c'est parce que Marx montre, à la suite de ces développements, et dans l'analyse de ce qu'il appelle le cycle du capital, le rôle central et croissant que jouent les banques dans ce processus. Pourquoi? Une fois produites les 100 voitures, elles partent dans la sphère de la circulation, c'est-à-dire elles doivent trouver preneur sur le marché. Mais ça peut prendre du temps. On n'a pas de garantie. Combien de temps il faudra pour vendre ces 100 voitures? Ça prend du temps. Et pendant ce temps, il faut continuer à payer les ouvriers, il faut continuer à acheter la matière première, etc. Donc, il peut prendre un certain temps pour que l'investissement initial soit amorti. Le capital argent initialement investi doit être suffisamment élevé pour assurer les paiements des salaires, des matières premières, de l'usage des machines pendant toute la période où le capital investi n'est pas encore revenu sous forme argent avec la plus-value. Vous comprenez ça? Ça prend un certain temps. Donc, le capital initial, ce n'est pas juste « donnez-moi de quoi monter, acheter les premières machines, enfin, les premières matières premières, payer les premières semaines de salaire, hop, et puis après, ça viendra. » Non, parce que l'argent doit revenir avec sa plus-value. Donc, le capital initial doit être très important, et de plus en plus important au fur et à mesure que le capital se concentre, que l'industrie se développe, et qu'il faut des capitaux initiaux colossaux pour lancer une aventure. Vous ne vous lancez pas, je pense que vous, intuitivement, vous le sentez, on peut se lancer dans une pizzeria sans avoir un gros crédit, un énorme crédit. Enfin, pour se lancer dans la compétition avec, du secteur automobile aujourd'hui, vous avez intérêt à avoir un bon capital de départ. Mais ce n'est pas tout. Sous l'effet de la concurrence, qui, sous le capitalisme oblige constamment les capitalistes à augmenter la productivité, à investir dans de nouvelles machines, ils ne peuvent pas, là aussi, se contenter de puiser dans leurs fonds propres, dans l'argent qui reflue vers eux à la fin du cycle. Ils ne peuvent pas se contenter de puiser là-dedans pour accroître le volume de la production, investir dans de nouvelles machines. Donc, ils sont constamment en train de devoir se tourner vers les banques pour leur dire « Bon, vous voyez, mon affaire, schématiquement, mon affaire, elle marche, vous voyez bien, mais là, il faut que j'ouvre telle unité de production, là, il faut que j'investisse dans telle machine. Donc, reprêtez-moi tant de centaines de millions, et vous savez que, regardez les calculs, je les retrouverai de toute façon. » Parce que je serai concurrentiel, etc., etc. Donc, les capitalistes ont constamment besoin, du fait des caractéristiques du cycle du capital, sous les effets de la concurrence entre capitalistes, ont constamment besoin de se tourner vers les banques, qui, du coup, ont un pouvoir de plus en plus colossal dans le business. Voilà, c'est un peu abstrait. Mais, enfin, Marx développe ça de façon, à première vue, assez abstraite, mais ça permet de démontrer, par les lois même du système capitaliste, du développement même de l'économie capitaliste, le rôle nécessairement croissant des banques dans le développement dans ce système. Les banques et le crédit jouent au moins deux autres rôles. Premièrement, le rôle des banques, de plus en plus, consiste à drainer l'ensemble des petites plus ou moins petites sommes d'argent qui sont éparses dans la société, de drainer cet argent et de le transformer en capital argent. Parce que tout argent n'est pas du capital. Ça, c'est une idée. Oh, c'est un capitaliste, il a 3 millions d'euros. Non, vous pouvez avoir 50 milliards d'euros sous votre matelas. Je sais que ce n'est pas le cas, hein, mais pure hypothèse. Vous n'êtes pas capitaliste. Vous êtes capitaliste uniquement si vous investissez cet argent pour exploiter de la force de travail et en obtenir davantage d'argent. Le capital, c'est ce rapport social-là. Ce n'est pas une richesse absolue. Sinon, vous êtes un radin, ou je ne sais pas comment appeler ça, quelqu'un qui accumule comme ça, comme Picsou. On ne sait pas si Picsou investissait, on a l'impression qu'il nageait dans son or. C'était son kiff. Est-ce que c'était un capitaliste? Je ne me souviens plus dans la BD. Est-ce qu'il investit, vous me direz? Mais c'était plutôt un accumulateur frénétique. Ça, ce n'est pas un capitaliste. Le capitalisme a besoin de drainer, y compris ce que vous avez sur votre compte en banque, y compris les salaires des travailleurs. Pourquoi? Non pas que c'est cet argent à vous qu'il prend et qu'il transforme en capital, mais les banques s'appuient sur le fait qu'ils ont cet argent, ça leur donne une couverture pour créer des dettes, des crédits en disant « j'ai tant de fonds propres, donc je peux prêter de l'argent aux capitalistes ». Donc même indirectement, même vos maigres salaires, ou plus ou moins maigres salaires, sont indirectement transformés en capital argent. Dans le sens, ils donnent une couverture aux banques pour s'investir sous forme de capital. Donc ça, c'est une fonction centrale. Une autre remarque à ce propos, le capital fictif. Il croît organiquement sous ce système. C'est quoi le capital fictif? En résumé, c'est revendiquer des parts de profit, sur une production totalement hypothétique. Prenez le cas de Tesla. Je ne sais pas si vous avez suivi la multiplication par je ne sais plus combien de la valeur boursière de l'action Tesla, sans aucun rapport avec la production. Il n'y avait pas une seule voiture de produite, pas une seule voiture. Il n'avait pas commencé à dégager un copec, le mec, comment il s'appelle déjà, oublié, Musk, qu'il avait déjà des gens qui réclamaient des profits sur le fait qu'il y aura... Ça c'est pas... Il n'y a pas de création de valeur derrière. Les milliards qui circulent à travers les bourses, que ce soit Tesla et d'autres, ça c'est du capital fictif, parce que ça n'est pas connecté à une création de valeur particulière. Ça, c'est la réalisation de la formule rêvée de tout capitalisme, ils en rêvent la nuit, on remplace AMA' par AA'. C'est-à-dire, vous ne passez plus par l'étape pénible, périlleuse, comme on le voit aujourd'hui, parce que les travailleurs, ils arrêtent de bosser, ils occupent le lieu de travail, ça. L'épreuve pénible, embêtante de la production. Vous passez de l'argent à l'argent prime, comme ça, la spéculation. Par ailleurs, quand on entend parler de définanciarisation de l'économie, ça c'est un truc des réformistes, je vais être un peu plus long, hein. La définanciarisation de l'économie. Mélenchon, il dit, c'est dans son programme, on l'a expliqué dans notre critique du programme de la France Insoumise. Ce que je viens de vous expliquer montre le caractère totalement utopique de cette définanciarisation de l'économie, parce que la financiarisation de l'économie émerge naturellement des lois même du capitalisme. Si on prend au sérieux cette idée, ça veut dire revenir à un capitalisme pré-impérialiste, avant les monopoles, avant le développement des grandes banques, avant la concentration du capital, qui a débouché sur le phénomène de l'impérialisme au sens économique du terme. Complètement, c'est une utopie réactionnaire. C'est vouloir revenir en arrière, là où nous, on veut exproprier le grand capital. Bref, j'accélère, puisque là... Bon. Le crédit, extension artificielle du marché aussi. Ça, c'est le deuxième grand rôle du crédit. C'est que vous injectez dans l'économie des valeurs qui n'ont pas encore été créées, et il y a un accroissement par ce biais artificiel des limites du marché. Ce qui permet de temporairement atténuer ou repousser une crise de surproduction. Crise de surproduction, dont vous voyez qu'elle est inhérente au système capitaliste, puisque comme je vous l'ai expliqué, les travailleurs reçoivent sous forme de salaire seulement une fraction de ce qu'ils ont créé comme valeur. Mais comment diable est-ce qu'ils vont pouvoir racheter avec leur salaire toute la valeur qu'ils ont créée? Ils ne le peuvent pas. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un cycle dans ce processus. Un des éléments qui retarde l'avènement d'une crise de surproduction, c'est précisément le crédit qui retarde le processus. Sauf que, comme on l'expliquait avant 2008, et 2008 l'a confirmé, c'est au prix d'aggraver la crise quand elle éclate. Mais du coup, elle éclate apparemment sous la forme d'une crise du crédit. En 2008, ils étaient tout ça. C'est une crise de la dette, c'est une crise du crédit. Non, pas du tout. La crise du crédit n'est qu'une manifestation symptomatique de la crise de surproduction. Le crédit, ça sèche précisément parce qu'il y a une crise de surproduction générale dans l'économie réelle, comme on dit. Bon, je suis à 44 minutes, je dois accélérer. Je dois aller très vite sur l'inflation. C'est un phénomène complexe qu'on ne peut pas réduire à un seul facteur, mais tout le monde comprend bien que si vous injectez, et c'est lié au crédit, c'est lié à ce que je viens de dire, si vous injectez des quantités de monnaie dans l'économie sans production équivalente de valeur réelle, de richesse, vous allez avoir, au bout d'un moment, une dévaluation de cette monnaie. Ça, c'est évident. De même, les systèmes monétaires qui se sont succédés, l'étalon or, le Bretton Woods, où le dollar était la monnaie centrale sur laquelle tout le monde s'alignait. Aujourd'hui, le système des monnaies flottantes, aucun de ces systèmes n'est solide, n'empêche les crises financières, n'empêche les crises monétaires, parce que ces crises monétaires s'affirment quand c'est la crise fondamentale du système qui s'affirme. Mais je n'ai pas le temps d'aller là-dessus, parce que je voudrais terminer par une question, je l'ai dit au début de mon exposé, qui est récurrente dans nos cercles marxistes, à laquelle on doit répondre, et c'est intéressant qu'elle soit récurrente, parce que ça montre quand même l'évolution de la conscience des jeunes. Il y a 15 ans, à peu près, ou même moins, dans nos réunions publiques, les jeunes venaient en disant « Est-ce que le capitalisme, vous êtes sûr que ça ne marche pas ?» Il n'y avait même pas trop de questions sur « Qu'est-ce que sera le communisme ?» Aujourd'hui, des jeunes qui arrivent, chez nous du moins, je ne dis pas que tous les jeunes ont perdu leurs illusions dans le capitalisme, mais enfin, dans nos réunions publiques, on a pratiquement, dites-moi si je me trompe, plus aucun jeune qui vient en me disant « ça ne marche pas si mal le capitalisme, vous êtes sûr ?» Attends, les jeunes sont convaincus que ce système ne marche pas. Ils veulent comprendre ce qu'on va mettre à la place et comment ça va marcher. Et on a très souvent, très souvent, des questions auxquelles il faut qu'on sache répondre de façon concrète, du style « oui, mais vous dites qu'il n'y aura plus d'État, mais quel type d'institution il va y avoir? Il n'y aura plus d'institution, il n'y aura plus rien, ce sera quoi? Le chaos, etc. Et l'argent, vous dites qu'il n'y aura plus d'argent? Mais comment des questions d'un haut niveau, quelque part. Comment la distribution, l'allocation des richesses va s'effectuer entre les différents membres de la société, etc. Donc, c'est des questions importantes et on doit savoir répondre concrètement. Je termine donc là-dessus. D'autant que Friot et Lordon, par exemple, disent, et ces jeunes, une partie de ces jeunes sont influencés par ça, ils disent « oh, on peut faire le communisme, mais la version marxiste du communisme où il n'y aurait plus d'argent et plus d'État, ça c'est baliverne, c'est pas vrai. Il faudra de l'argent, bien sûr, il faudra un État, bien sûr. Avec Friot, il y aura même des classes sociales et des inégalités, enfin, drôle de communisme. Mais vous verrez, ce sera quand même vachement mieux que sous le capitalisme aujourd'hui. » Et les jeunes ont ça en tête. Évidemment, ils ne trouvent pas de réponse chez les réformistes, ils ne trouvent pas de réponse chez Roussel et chez Mélenchon. Je résume la position. Sous le communisme, il n'y aura ni classe sociale, ni État, ni aucun autre des stigmates de la société de classe. Et il n'y aura plus d'argent non plus, parce que sera réalisée la formule de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Que signifie cette formule? Ceci que, sous le communisme, la contribution de chacun à la richesse sociale sera libre au sens où elle ne sera plus aiguillonnée, limitée, contrainte par l'objectif d'avoir un salaire, pour pouvoir, de gagner tant d'argent pour pouvoir se payer des choses. De même, c'est une formule qui est unique. Enfin, ce n'est pas deux choses, les deux parties de la formule sont liées. De même, chacun prélèvera librement de la richesse sociale ce dont il a besoin sans être limité par le fait d'avoir tel ou tel salaire. Mais il ne faut pas oublier que la base matérielle, la base économique d'une telle formule, de la réalisation d'une telle formule, ce sera le développement de l'appareil productif, d'un appareil productif capable de satisfaire les besoins de tous, d'élever puissamment le niveau matériel, le bien-être matériel et le niveau culturel de tous. Je cite Trotsky dans La Révolution trahie. « L'argent ne saurait être arbitrairement aboli, pas plus que l'État ou la famille ne saurait être éliminés. Ils doivent épuiser leur mission historique, perdre leur signification et disparaître. Le fétichisme de l'argent ne recevra le coup de grâce que lorsque la croissance ininterrompue de la richesse sociale délivrera les bipèdes de leur avarice quant à toute minute supplémentaire de travail et de leur inquiétude humiliante quant à la taille des rations. En perdant son pouvoir d'apporter le bonheur et de jeter l'homme dans la poussière, l'argent se réduira à un moyen de comptabilité commode pour la statistique et le plan. Par la suite, on se passera probablement de cette sorte de quittance, mais ce souci, nous pouvons l'abandonner à nos arrière-neveux qui ne manqueront pas d'être plus intelligents que nous. » Fin de citation. Donc l'argent ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais graduellement, en changeant de rôle, tout au long de la phase de transition entre le capitalisme et le communisme. Phase de transition, comme on appelle souvent le socialisme. De même, d'ailleurs, que l'État, il y a une analogie, l'État ne disparaîtra pas du jour au lendemain, il s'éteindra, mais d'emblée, il changera de nature. État ouvrier et État capitaliste, il y a une différence qualitative entre les deux. Concrètement, qu'en sera-t-il de l'argent? La révolution socialiste mettra à l'ordre du jour immédiatement la nationalisation de tous les grands leviers de l'économie et la planification démocratique de tous les secteurs nationalisés. Ceci fera perdre d'emblée à l'essentiel de la masse monétaire son statut de capital argent. D'un seul coup, ça c'est du jour au lendemain. Autrement dit, dans l'essentiel de l'économie, l'argent ne fonctionnera plus comme capital, c'est-à-dire comme argent qui cherchera à s'accroître via l'exploitation des travailleurs. Ça, c'est terminé, d'emblée. Ça, c'est par décret, si vous voulez, une fois la nationalisation passée, effectuée. Est-ce que pour autant, la production marchande sera immédiatement et totalement abolie? Non, pour au moins deux raisons. Premièrement, tout ne sera pas nationalisé. Et vous aurez votre... et on ne veut pas tout nationaliser. Ce serait une bêtise économique et une erreur politique. Donc, votre marchand de pizza, votre bar, ce que vous voulez, il va continuer à vendre des marchandises. Il va créer des marchandises, il va créer des choses pour les échanger contre de l'argent, etc. Mais la petite production, la petite propriété s'intégrera graduellement à la grande propriété publique socialisée au fur et à mesure où la planification de l'économie démontrera sa supériorité sur la petite production. Deuxièmement, formellement, dans les limites très larges de la planification, la production marchande de type capitaliste sera abolie. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, tous les biens produits par le secteur nationalisé auront totalement perdu leur statut de marchandise? D'un point de vue formel, oui, mais seulement d'un point de vue formel. Qu'est-ce que je m'explique? Pourquoi? Parce que la possibilité pour tel ou tel individu d'acquérir un certain nombre de biens produits par le secteur nationalisé sera encore soumis à la loi de la valeur. La loi de la valeur n'aura pas disparu dans la phase de transition entre capitalisme et communisme. Loi de la valeur qui se marquera par le fait que les marchandises, que les biens produits par le secteur nationalisé auront un prix et que, en fonction de votre salaire, vous pourrez ou non vous acheter cette marchandise ou telle quantité de cette marchandise. Ne serait-ce que parce que si vous ne travaillez pas, sous le socialisme, vous n'aurez pas les mêmes revenus que celui qui travaille. Si vous travaillez plus, vous aurez plus de revenus. Donc, il y aura toujours cet élément de l'échange où si vous n'avez pas une marchandise, si vous n'avez pas de quoi donner pour obtenir une marchandise, vous l'avez pas. Donc il restera cet élément, vous voyez, de la production marchande, même si ça aura changé radicalement de nature. Ce qui se passera, par contre, c'est qu'avec l'accroissement de la richesse collective, un nombre croissant de secteurs sortiront totalement de la sphère monétaire du point de vue du consommateur. Autrement dit, deviendront gratuits. La santé, qui n'est pas gratuite, de moins en moins gratuite au fil des contre-réformes, mais on peut dire qu'elle a été, en France, je ne sais plus quelle période, à peu près gratuite. Qu'elle est encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, dans un certain nombre de soins, elle est presque gratuite. Mais les transports, le logement, l'énergie, puis les biens de consommation courante, tels que la nourriture, les vêtements, etc., jusqu'à la gratuité complète de tous les biens. Pour le dire autrement, ce qu'on appelle le salaire socialisé s'accroîtra au détriment du salaire individuel. Si bien que, ça c'est contre-intuitif, le salaire sous le socialisme ne va pas augmenter, il va baisser. Jusqu'à s'éteindre, parce qu'il y aura plus, tout sera socialisé. Si tout est gratuit, expliquez-moi à quoi ça sert d'avoir un salaire. Par ailleurs, comme c'est indiqué dans la citation de Trotsky, l'argent aura perdu son rôle de capital argent et jouera un rôle de régulateur de la planification, de moyen de contrôler l'allocation des ressources et de mesurer la force et les faiblesses des différents secteurs. L'argent, la circulation de l'argent permettra de voir là où il y a trop de demandes, pas assez, là où c'est pas rentable. Tel secteur, il est déficitaire, donc il y a des problèmes de productivité, etc., etc. Au fur et à mesure, l'argent perdra totalement son statut d'équivalent universel La loi de la valeur ne sera plus à l'œuvre dans la distribution, et dans la consommation de valeur d'usage. Et comme l'expliquait Engels, on passera alors du gouvernement des hommes à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. Tel est notre objectif.